Pas du The J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, mon petit The Witcher, tout vient? Tout vient ou tout vient ou pas? Tout vient, ok. Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié. Serrant votre main. Aucun. Je suis ni affamé, ni pétrifié, ni. Voilà. Allez. Triss ne pouvait rien de Geralt, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Geralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. J'aime bien le cher ami de toujours. Cher enquiquignant de toujours, ouais, Jasquier. Ah oui, on était là, c'est vrai. C'est vrai que j'avais quitté en plein combat. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Oh mais c'est trop facile toi. Tous les oiseaux volent dans le ciel. T'es où? T'es là? Bonjour, on te présente. Je m'appelle Geralt de Rive. Hopé, je m'en casse. Et voilà, c'est fait. On a eu chaud. Mmh. Il faut l'avouer, la ruse n'est pas ton point fort. Effectivement, je préfère les approches plus directes. Oui, taper d'abord, poser les questions ensuite. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jasquier. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. À vos ordres, madame. Mais celle-là, elle est comme Yennefer, quoi. Elles m'ont toutes prises pour leur chien ou quoi? Geralt, il va falloir que tu te rebelles, hein. Ça suffit de te laisser faire par toutes les filles. Hein. Ça va pas le faire, Geralt. Coucou, ma fille. Bah oui, tu viens? Oui. Là, tu te mets là? Ouf, oui. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Ah, t'es pas sur la bague, je t'ai déjà dit, tu vas te faire mal. Si tu te grattes sur la bague, tu vas te faire mal au nez. Je sais que ça t'enquiquine que j'ai une bague au pouce, mais moi je l'aime beaucoup. Oui, eh ben oui. Eh ben je suis désolée. Ah, pff, vas-y, coup de boule. Ok, fille. À moi pour avoir des bonbons demain? Oui. Elle achètera des bonbons? Elle achètera des bonbons? Babou? Tu me feras penser à acheter des bonbons pour les chats? Hein? Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? La réponse la plus bizarre du monde. Ah, Mimi!
Tourne pas le joystick. Fallait que je lise. Vie. Vie, ma fille. Non, mais vas-y, rallume. Ah Mimi. Bon, si tu veux jouer, t'as qu'à le dire aussi, hein. Je te laisse ma place. Hmm. Oui, ma fille. Alors, Caleb, j'ai eu une nouvelle instruction concernant l'organisation de la prochaine exécution. Quand vous serez prêt à me rencontrer, placez votre tome sacré dans la boîte à dépôt située dans la colonne de l'autel du feu éternel au sud-ouest de la scie. Nous nous retrouverons à l'endroit habituel. Ne dites à personne où vous allez et venez seul brûler cette lettre après l'avoir lue. Yamourlak, je brisais. Tome sacré de Menge. Propriété de Caleb Menge, que tes flammes purifient mes pensées, qu'elles tempèrent mon cœur, que tout ce qui est maléfique brûle et parte en fumée, que tout ce qui est bon soit réchauffé par ton feu, que les vertus accourent vers ta lumière comme des papillons. Que les malveillants fuient comme des bêtes devant une forêt en feu. Allez, c'est tout. Non mais c'est tout, Mimi. Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. La clé d'un coffre? Pas d'adresse? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ses sbires pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng de quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets. Ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jaskier. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider, lui qui sait tout. Tout? Tu exagères un peu. Parfois j'ai des doutes. Bon. Plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. Oh! Quoi, c'est chouette par la porte principale. Ok, problème, on vient pas d'éradiquer toute une tout plein de personnes. Bah apparemment la clé servait à ça. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Alors.
Ça devrait faire l'affaire. Je file. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Chris. Le corbeau est mort. Non. Monsieur du corbeau, que vous arrive-t-il? Oh non, me dis pas que ça recommence. Ça m'énerve. Que ça m'énerve. Mais que ça m'énerve. J'ai rien touché à part virer Wizbot. Alors, ça va, mon mazouille? Là, ça devrait être bon, normalement. Eh bien non. Oh, ça me casse les cacahuètes. Je verrai ça après le live parce que là, honnêtement... Vire les sons au pire des cas. C'est embêtant de virer les sons, mais je vais voir. Non, mais de toute façon, il y a tout qui déconne là en ce moment, c'est un truc de fou. Hein. J'ai Wizbot qui fait plus ses annonces, pour ça que j'ai dû passer par un autre. Et encore l'autre, je crois bien qu'il va même pas faire les annonces. Donc je crois bien que même l'autre va pas faire son taf. Maintenant, je sens qu'il va falloir que je vire patate. C'est pas ça que je voulais faire. Merci. Je sens que c'est Twitch Beta qui fait des siennes. Hé, hey, toi, monsieur Robin veut te voir. Je veux dire, ce qu'il va falloir, je le repasse par... Quoi? Merde. Par l'autre Happy, mais l'autre Happy, elle me casse les bonbons, parce que quand elle plante, ben, elle aime tout. C'est génial. Et elle est beaucoup moins simple, en plus. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs. Prêt. Vous explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et Vandor ne passe pas inaperçu. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre. Trouvé sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Sans façon. Prime d'abord. Gérald. Tous les sorceleurs ont-ils autant de culots? Comment ça? Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Tu n'as pas daigné m'en informer. Non, en effet. Mais j'ai daigné t'aider à le récupérer. Alors cesse de geindre. Je ne plaisante pas, Gérald. Tu m'as abusé. Ça marche pas. J'y survivrai. Toi, oui. Tu y survivras. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jacques. Effectivement. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Attends. Parce que d'habitude, quand je fais ça... Attends. Peut-être que... Mmh.
Tac. Là, normalement, quand je fais ça, des fois, ça refonctionne après. Mais pas cette fois. Un lac de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. Non, je sens que par lui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement où. Une maison en ruine des faubourgs. Il signale et il se retrouvera le soir même, un peu avant minuit. Merci pour ton aide. Inutile de me remercier. Je ne peux que payer ma dette. Je paye toujours mes dettes, tu sais. Même au menteur. Dernière remarque. N'essaie pas de m'embobiner. Plus jamais. Merci, monsieur. Ils l'ont tous fui. Non, non, mais je vais réinstaller Streamlabs et puis on va repasser par Streamlabs. Oh. Jusqu'à ce que Streamlabs plante et encore commence encore à zéro. C'est... C'est quoi ce bambin? Au final, Wizbot, je pensais que ça s'appelait Wizbot, mais... Par contre, ça vient peut-être pas de ça parce que même... Même le nouveau de bot ne fonctionne pas. Passe par OBS. Je vais voir. Ben, OBS, le problème, c'est qu'il prend encore plus de connexion internet et que moi, ma connexion est déjà pas top, tu vois. Peste. C'était un peu pour ça en fait que je suis jamais passé par OBS, c'est parce que ma connexion est vraiment pas. Non, tu sais pas. Bon, bah d'accord, vas-y, casse-toi. Ma connexion est vraiment pas bonne pour qu'il puisse prendre. Tu sais, 170p. Quoi, 166? Salutations. Non, tu as un bon méchant. T'as combien de messages? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, à 10, c'est censé envoyer un message, mais. Sacré cuite la nuit dernière. J'ai des gros doutes qu'il le fasse. Vous partez ou vous restez? Les deux, mon capitaine. Au moins ça fonctionne. On a au moins un truc qui fonctionne. Bienvenue Grimantine. Et comment ça se fait que Wizbot l'annonce alors que Wizbot il est censé être désactivé? Pas grave. Ça va Grimantine? Wow. Mon père, il aime pas trop les elfes. Vous êtes un elfe? Ce qui va être l'épreuve professionnelle, un chômeur. Feu éternel, en créateur, entends ma prière. Je t'en prie, fais que mon mari retrouve la santé. Éternel, c'est un homme sur le roi Ragueux. Honnête, vertueux. Feu éternel, tu es mon seul espoir. Exauce ma prière et je ne lésinerai pas sur les offrandes. «
C'est sûrement la boîte aux lettres mortes. Le signal est lancé. L'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit. Je vous embrasse. Écoutez nos prières. Bonjour, oui, puis ça va bien et toi? Je passais lâcher mon follow pour le raid de l'autre jour avant de partir en stream. Eh bien, pas de soucis et merci beaucoup en tout cas pour ton follow. Tu sais qu'il n'y avait pas d'obligation. Donc, mais merci beaucoup en tout cas. Et puis bon live à toi. Ah, mais j'ai parfait. Attends, est-ce que ça a marché? Pas sûr. Alors d'accord, alors Wizbot, maintenant tu causes toi. Mais il me fait quoi, Wizbot? Ayez pitié de moi. Le feu éternel. Ok, Wizbot. D'accord, Wizbot. Oh, je t'en veux pas, hein. On va. Il n'y a rien à comprendre. Ah, est-ce que le SO va marcher? Mais apparemment, le SO ne veut pas marcher ce soir. Merci, bon live à toi aussi. Et bon courage pour ton Wizbot MDR. Je repasserai à l'occasion. Pas de soucis. 160p, Makata, ça va prendre moins de connexion internet. Par contre, tes streams sera plus, tout pixelisé et fou. Non, mais je sais, mais je sais. Honnêtement, ça commence à me. Voilà. J'essaierai avec Streamlab, voir si avec Streamlab tout refonctionne ou pas. Mais OBS, honnêtement, il prend trop de puissance. Je peux pas lui demander. J'ai carrément pas assez de connexion, moi, pour pouvoir le faire. Donc OBS, c'est cuit. Quand je serai en fibre, ouais, je pourrais essayer d'attaquer. Quand je serai en fibre, je pourrais essayer d'attaquer OBS. Mais tant que je suis pas en fibre, ça sert à rien. Ça va être... Déjà, même Streamlab, par moment, il me plantait complet parce qu'il perdait trop de connexion et il n'arrivait pas. C'est la galère! Hé, hey, mon mignon! Je dois faire quoi pour avoir... Ah. Oh bah eh, oh. T'as qu'à pas marcher au milieu de la route. Je crois que je suis amoureux. Je suis censé être passé par un autre bot. Et là c'est Wizbot qui se réactive. Non mais... En plus, il a modéré le message, sur coup, au lieu de mettre les liens, il a mis des petites croix. C'est cool, donc ça sert à rien, ce message. Moi, je te jure, j'en peux plus. Ma femme ne me croira jamais. Vous êtes lavé les cheveux récemment? En quoi ça le regarde si je me suis lavé les cheveux récemment? Je me suis lavé hier. Et toc.
les soigne. Je verrai pendant la pause repas, j'essaierai de réinstaller Streamlab. De le remettre en route du mieux que je peux et puis de voir si. Si avec Streamlab tout fonctionne. Je sais pourquoi Wizbot, tu peux pas mettre les liens. Soyez moins polichon si vous mangez de l'odeur à lui. Voilà, tu reprends son rôle, peut-être qu'il va remettre les liens comme il faut. Bon, tes souhaits. Parfait. J'attends que l'heure passe. Qu'à se planquer et attendre. Même un aveugle me repérerait à cet endroit. Il va pas du tout savoir que ça a été fouillé. Non. Derrière la porte, la cachette idéale. Classique. Derrière la porte, la cachette idéale. Ok. Si tu le dis. J'ai un peu des doutes, hein, mais si tu le dis. Non, faut pas que je m'assieds sur le truc, non. Bon. Je te déteste, Mazoui. Officiellement.
Peut-être tu peux garder tes points de chaîne pour quand les sons refonctionneront. Hein. J'essaie de te les remettre ce soir, t'inquiète. Hein. Chris, comment as-tu ? Ah, extra, c'est ça ? Le seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant. Plafond effondré, murs couverts de salpêtre, chieurs de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chut, il arrive. Cache-toi. Meng ? Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le curin, jusqu'au naseau. Et vous davantage, croyez-le. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. Ouais. C'est un bien vilain langage envers une dame. Vous appelez ça une dame ? Vous voyez qu'une sorcière. Les sorcières sont encore plus susceptibles. Ah hein ? Ça vous suffit ? Ah, les bijoux de famille ! Foutre, non. Je tiens le coup. Évidemment. Mais ce n'était qu'un début. Chris, arrête. Attends, Kim. S'il te plaît. Alors, on se met à table. Tout dépend de la question. Le magot de Sigirovel. Où Meng l'a-t-il planqué ? Je n'en ai aucune idée. Vous comprenez qu'il suffit d'un mot pour que la couleur revienne ? Oui. Je persiste à affirmer. Je pense qu'il dit la vérité. Il semblerait. Simple curiosité. Pour qui travaillez-vous ? Par question de vous l'avouer. Bien sûr. Oui. Moi, de vous fassiez essentiel. Jamais je ne dirai ça. Nous cherchons Jaskier. Nous savons que Meg l'a capturé. Tout ça pour ça ? Foutu menestrel! Fallait le dire d'emblée. Alors, vous voyez la cervelle de votre sale magie. Incroyable. Tout ça pour un sale timbant. Vous voulez des excuses? Non. Mais j'ai le droit de me montrer surpris, non? Jaskier est sur le plan, dans les jaunes situés sous le plan. Meng, prépare-toi de me faire exécuter. Un grand spectacle. Je crains que les festivités ne doivent être annulées. Comment peut-on libérer Jaskier ? Ceux qui quittent l'île du temps le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée. Je te raconterai. D'accord. J'aime bien ne pas être mis dans la confidence. C'est bon, ça suffit. Ils en savent assez. De l'apprendre. Puis-je en déduire que vous glissez sur ce fâcheux incident ? Pas si vite, Gérald. Je sais. Il en a trop vu. Mais pourquoi je vous ai dit ? Je n'ai pas utilisé d'armes. Soit il meurt, soit j'efface sa mort. Efface-lui la mémoire. Mais je vous ai aidé ! Je vous ai aidé ! Ce n'est pas si terrible. Isley, en guerre.
Comment te sens-tu ? Indigne. Vil. Cruel. Je pourrais continuer, mais il faut que je sorte d'ici, et vite. Je vais rentrer, prendre un bain, et me saouler à mort. Bon programme. Je te raccompagne ? Pas aujourd'hui, Gérald. Pas aujourd'hui. Mais je voudrais te parler d'autre chose. Ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard ? Meng est peut-être mort, mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes. Mmh. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jaskier. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt. D'accord ? Mmh. Ah. Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes les seuls à le savoir. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché. Un Doppler. Mmh. Ton vieil ami, Doudou Biberveld, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas ? D'après Jaskier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet, mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts. Bon, faut aller chercher un Doudou. Phrase complètement bizarre. Mais bon. Eh bien là, Ablette, parce que j'en ai marre de marcher. Go, Ablette. On y va. Un peu de nerf, Ablette, parce qu'autrement, ça fallait que j'y aille à pied autrement. Tigrossi veut rentrer ? Hop. Alors. Hop. Demain, j'ai des choses à faire, ma cata. Je risque d'être en retard. Pour du WoW à 20h30 ? C'est cela, mon Zazoui ? Oh ! T'as les 4 poussées, mon vieux. Plus vite. Et lui. Tout comme la frange, les écoutes, la ferme, la cuisine. Là, ou pas. Attention, tu marches. Attends, 20h30, c'est pas le matin? Bah 20h30 chez moi, pas chez toi. Fais gaffe. Oh. Ah. Ah bah au moins il met mes liens de... 14h30 pour moi. Oui. Oublie ce que j'ai dit alors. Pas de soucis, j'oublie. Ça, j'ai la tête qui tourne. Oh, j'avais pas vu le gars par terre. Il peut y marcher dessus. On se voit à l'étage. Ah,
joli, pas réussi. Mon ventre, mon feu éternel que j'ai mal. Feu éternel que t'as mal, bah t'avais qu'à pas picoler. Ça aurait aidé. Elle est où? Ah non, c'était pas là, c'était autre. J'ai monté d'un étage, je trouve. J'aurais pas dû manger ces rats. J'en ai marre de voir ces rats. Ces rats. Dites-moi, comment avez-vous connu Jasquet ? Lors d'un tournoi de poésie à Elander. Bien sûr, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Maître Jasquet. Et en effet, au début, il m'a fait l'impression d'un bouffon suffisant. Au début seulement ? Seules les bécasses ne changent jamais d'avis. Je l'ai fait quand il est venu me féliciter. J'étais loin de croire qu'il puisse se montrer si beau perdant. Jasquet peut se montrer irritant, je le sais. Mais je sais aussi qu'il peut se montrer juste et noble. Dans le cas contraire, j'aurais d'ailleurs bien du mal à le supporter. Je comprends. Je sais où se trouve Jasquet. Où ça? Dans les cachots de l'île du Temple. Ça ne me fait pas rire. Non plus. Je ne plaisante pas, malheureusement. Mais nous allons le tirer de là. Très simple. Il faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jasquier pour ensuite espérer trouver Ciri. Ouais. À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais chance à vous. On en prend le chemin les plus courts chez nous. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Prenez soin de vous. Wizbot, tu peux arrêter de me faire le décompte du temps et de, du nombre de spectateurs, s'il te plaît? Qui est un truc que j'aime pas, c'est ça. Je stream le temps que je veux et il y a le nombre de personnes qui veulent venir. Voilà, point. Alors, ça sert à rien de me le signaler toutes les deux minutes. Je vais me passer, Wizbot, hein. Je te le dis. Hein. Hey, chérie, pourquoi tes cheveux? Chercheriez-vous à me sauver, monsieur? Si telle était mon intention, madame, nous ne boirions pas du coup de cette question. Pourquoi ça? Écoute bien, c'est la dernière fois que je me mets bien ici. Pourquoi cela? Il y a un vrai tombeur. Il continue à servir des boissons. L'alcool est toujours arrivé, oui. Voilà. Salut Ablette, tu t'ennuies? T'inquiète, je vais m'occuper de toi. Allez, viens ici Ablette. Hop, et mes tours. Il a l'air drôlement suspect. Il n'a pas l'air suspect, j'ai l'air d'un homme à cheval. Oh. Vous pourriez vous pousser les mecs, hein, parce que vous prenez toute la place. Ouais, bah t'avais qu'à te pousser. J'en ai marre de ça. Argent, des mages ont mis le feu à la maison des chasseurs. Ils veulent réduire la ville ensemble. Interdiction de le galop, Ablette. Mais Ablette, pourquoi t'as tourné?
regarder. Rien, je me promène. Si on tombe nez à nez avec le bâtard dans cette pick-up, je peux bien m'en mettre. T'as entendu sur un an ? Vous regardez partout ? Vous ferez mieux de brûler les corps, c'est-à-dire. Sinon, les rats vont attriquer. Tu vois dans le noir, et t'es costaud. Les débats aussi grands, tu sais. J'engageais un sorceleur pour recouvrer mes créances. Rien d'intéressant ici. Travaille ici, sorceleur. Monsieur le compte Amazon, ah ça je t'avais prévenu, il faut mieux que t'attendes le jour où tu vas commander parce qu'autrement tu risques d'avoir des variations de prix. Les nains ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. J'avais le... Rien d'intéressant ici. Je crois bien avoir déjà entendu parler de vous, les autres. Vous aurez du mal à trouver du travail ici, sans cela. J'ai une méthode à putain, marre de tout ça. Les Blanche-Neige. Eh bien sûr. Et nous sommes aussi plutôt. Il a l'air drôlement suspect. Il y en a marre qu'on me trouve suspect à chaque fois que je suis à cheval. Je vois pas en quoi un homme à cheval est un suspect. Bon, ces gâteaux-là, ils sont super bons, mais ça, c'est vraiment des cochonneries. Hein. Et comme toutes les cochonneries, quand on met le nez dedans, c'est foutu. Voilà, sur le coup, le Nightbot, là, il s'est pas fichu en route, mais par contre, le Wizbot s'est remis en route. Non, mais allez les chercher. Enfin, il s'est remis en route. Il a décidé de faire qu'une seule annonce. En garde, sorceleur. En avant. On dirait une plaie béante. C'est bien, Ablette. Pas de vagabondage. Je vagabonde pas, je me promène. On y va. Du nerf, Ablette. Non humain.
Allez donc, retournez. On y va. T'as entendu? Ils ont attaqué le repas. Passe pas. Allez voir ailleurs. Bonjour. Je vous connais pas. Restez pas planté là. Tirez-vous. On le menace ou hein? Non. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Entrez. Qui est le chef ici? Igor, mais tout le monde l'appelle Crochet. Merde! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Un accès de sincérité. Rien de plus. Préparez-vous. Ce sera bientôt votre tour. Je suis prêt. Les perdants en droite. Quoi? Ouais. C'est pire qu'un labyrinthe, cet endroit. Je n'ai pas oublié notre marché. Je lui ai donné une épée rouillée. Ce que vous avez à faire, c'est tenir quelques minutes. Oh, je vais tenir. Pas de problème. Et ensuite, je m'arrache. Ah oui, vraiment. Et Vivaldi, sont dégoûtants. C'était pas cette chanson-là que je faisais. C'est parce que... C'est un peu quoi si je me trouvais cette ville. Je cherche du travail. Et vous savez faire quoi? Je me débrouille assez bien avec une épée. Je pourrais faire office de garde du corps. Vraiment? Garde du corps de qui? Une foule, ça peut vite devenir dangereux. Je pourrais éviter les débordements. Vous avez un peu d'expérience? Je suis un sorceleur. Mon métier, c'est de tuer des monstres, alors de simples humains. Un garde doit savoir se battre. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous pouvez vous maîtriser. Et maîtriser une foule. J'ai appris à ralentir ou à accélérer mon rythme cardiaque à volonté, à dilater mes pupilles et à modifier mon métabolisme. Mon médaillon vibre au moindre danger et je connais plusieurs sorts élémentaires. Vous allez devoir faire vos preuves. Je veux voir ce que vous valez au combat. Vous allez entrer dans l'arène. Si vous survivez à 3 combats, je vous embauche. Très bien, inscrivez-moi. C'est déjà fait. Si vous êtes prêt, on peut même commencer tout de suite. Très bien. Je suis toujours prêt. Je vais mourir. Excellent. J'ai hâte de vous voir à l'œuvre. N'oubliez pas, c'est un combat à mort. La foule n'aime pas les âmes sensibles qui épargnent leur adversaire. Allons-y. À vos bourses. Je vais mourir, mais avec panache. Du lointain Orient, ou avec un panache précieux que la vie d'un homme, voici un mutant meurtrier, un sorceleur, son adversaire, Gustav Röhn. Allez, approche. Qui a ouvert le ventre de sa mère avec les dents pour venir au monde. Comme toujours, c'est un combat à la mort. Ne me tuez pas. J'ai une femme et 3 enfants. Ce sont les... Je refuse de tuer cet homme. Lâchez les chiens. Minable. T'as autre chose que les chiens ? Tes petits chats, hein, c'est des petits poupées, hein. Le sorceleur
remporte la victoire. Combat suivant. Ça va saigner. Je vous présente le sorceleur contre les frères velus. Tous trois venus des îles sauvages de Skelly. Ce sont les fils d'un ours de la montagne. Et ils ne vivent que pour tout. À noir. Vous ne voulez pas finir comme votre frère. Jamais. Le sorceleur gagne encore. Combat suivant. Le sorceleur au sommet de son art. Un face-à-face mortel avec des monstres. Qu'est-ce qu'il m'a prévu, lui? Ok. Mais nous, Berne. Cracher dessus, oui. Fallait pas me cracher dessus, je t'ai dit. C'est pas gentil de me cracher dessus. Moi, je t'ai pas craché dessus. J'ai pas oublié de me cracher dessus. J'en voulais encore. Lâchez les bêtes. Ok, encore des bébêtes. C'est qui, Boris? Juste pour vous, pour la première fois depuis longtemps, voici Boris. C'est qui, Boris? Je peux savoir c'est qui, Boris? Ah, d'accord, j'ai compris qui c'est, Boris. Salut, Boris. Ah, bah l'autre, il s'est fait zigouiller par Boris en un coup. Ouais, t'as tout fichu par terre, j'ai vu. C'est ce que je t'ai dit que t'avais tout fait tomber. Boris. C'est qui celui-là? On m'avait dit qu'il y avait un nouveau champion dans l'arène et on ne m'avait pas menti. On va éviter de l'incriminer direct. Merci. Cyprian Willy, plus connu sous le nom de Petit Bâtard, apprécie le travail bien. Bon, assez discuté. Les
nains de Surin sont dans les égouts. Ils ont massacré les gardes. Reste pas planté là comme un abruti, bordel. Sonne l'alerte et débarrasse-moi de ces nabots. Et que quelqu'un règle son compte aux sorceleurs, foutre Dieu. Et pourquoi ? Vous avez entendu le patron ? Tuez-le ! Eh, vous abusez, j'ai gagné mes combats, moi. C'est bon. Ah là, l'attaque, elle était belle, là. Bon, je vais légèrement désinguer quelques équipes. Ça lui en fera un peu de moins à gérer. Je trouvais que c'était trop nombreux, ça pouvait pas l'aider. Les traces d'usure sur le sol. Il y a quelque chose derrière ce mur. Celle-là non. Je gagne rien de bien, moi. Je vais faire réclamation. Hein. Ah. J'ai pas. Je vais attendre un peu pour faire la réclamation. Voilà, et dans les vêtements. J'ai pas de gants. Ah ben les deux, c'est d'accord. Bon, les deux, ils s'équivalent en fait. Hein. Sauf que lui... Oui, je peux rajouter un truc. Ok, bon, on va prendre elle. C'est lequel que j'utilise le plus c'est Hard qui est le feu, non Non, c'est Hard, c'est pour ouvrir les portes. Axi. Attends, faut que j'étudie la chose. C'est Ini qu'il me faut. Est-ce que j'ai Ini? Ouais, là, je crois que j'en ai 3 des Ini. Non, c'est Gwen. Ini.
Si je voulais voir la chimie, voir si je pouvais faire quelque chose. Bien voilà. C'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. C'est bon, c'est au paille. Bon, maintenant, faut trouver le repas de pâté machin, là. Le casino. Ah non, j'ai dit je vous les laisse. Je voulais pas emmêler moi. Oh, mais vous êtes pas drôle. Attends, il y a un truc à prendre là-haut. Sur qui tu veux faire, tu veux me faire quoi toi? Viens toi-même, minable. T'inquiète pas pour ma santé, tout va bien. Bon, il me prévient pas toujours quand il est fait, mais j'aime bien ses actions au ralenti. C'est par où la sortie, les mecs? Aidez-moi, parce que là, je suis paumée. Par là? Il va pleuvoir. Pas mieux. Fera du bien un peu de pluie. Au galop, Ablette. Non, pas au galop. On va marcher.
Allez, amuse-toi bien, Ablette. Je reviens. C'était putride. Mais de l'âme devait l'avoir mauvaise. À ce qui paraît, c'est pas un endroit sans soi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Comme tout le monde, je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. C'est dommage, non? Vous allez me laisser entrer? Bien sûr, je vous en prie. Et vous, bah, souhaitez-moi bonne chance. Oui, bonne chance. Petite dernière, je sens que je vais me refaire. Je n'en ai pas avec plus d'argent. Eh bien, je vise ma maison. Entendu. Un coup de mioule me ferait du bien. Jouer aux cartes, je suis obligé. Merci de me laisser tranquille. Fichez-moi la paix. Si j'entends encore un mot, je vous emmène à l'étage. Non. Mais j'ai franchement pas envie de jouer aux cartes. J'ai une sacrée veine. Oui. Puis-je me joindre à vous? Je ne vous ai jamais vu ici, Joe. Moi non plus, je ne vous ai jamais vu. Manifestement, vous ignorez qui je suis. Ne faites pas le mal. C'est pas très bien vu par ici. D'ailleurs, comment avez-vous trouvé cet endroit? Dites-moi où trouver le propriétaire, je dois lui parler. Je vois, je vois. Le petit bâtard est un de mes bons amis. Je l'ai croisé pas plus tard qu'aujourd'hui. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Si un petit curieux vient te poser des questions à mon sujet, fais-le taire, définitivement. Ok. Prenez-le vivant. Oh! Mais il n'est pas gentil, lui! Je vais me venger. Un coup de boule. Laissez un coup de boule. Sur lui. Prenez-le à mer. Crève, minable. Je remonte. Ah, attends, tu sais ce qu'on va faire avant de remonter? Voilà. Voilà, je suis en pleine forme, on peut remonter. Allez, par la tour. Oh.
devrais jeter un œil. Votre Majesté est mécontente, vous devriez éliminer les autres membres de votre quatuor pendant qu'ils sont toujours en vie. Et puis, encore connaissant votre rôle dans la France, ce n'est pas ce que nous avions prévu. Pour le moment, sachez que moi, je vais vous dire, portant cette lettre, sortez pas de. Ok, et l'autre? Je me demande si Dijkstra sait que le bâtard travaille pour les Rhédaniens. Attendez. Vous êtes encore en vie? Ne me tuez pas. Bah non, justement. J'en ai pas l'intention. Qui êtes-vous? J'ai entendu des cris en bas. Je les ai un peu zigouillés. Du calme. Tout va bien. Vous allez m'aider? Ouais. Vous n'avez rien de grave. Parlons un peu tous les deux. Que faites-vous ici? À votre avis, je prends du bon temps, Pardy. Ouais. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Et c'est le cas? En fait, oui. Et alors, qu'avez-vous appris? Le bâtard est de mèche avec les Rhédaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Prenez soin de vous. Merci. Je vais faire profil bas pendant un moment. Je dirai à Bedlam que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. Mimi, c'est pas gentil. Mimi, je vais te la couper, hein. Merci. Lui, ça va finir comme dans Death Stranding. Je vais le faire ramper par terre. À force de lui remplir les poches. Allez. Alors la binos. Cherche l'aventure. L'albinos, je suis pas un lapin, hein. Une belle chasse.
Salut, minable. Oh. Ah. Bon sang. Allez. Oh, bah. Oh, bon. Bah. Faites pouce. Ah. Bon. Oh, bah. Allez, va. Merci. C'est bien, Ablette. Allez, Ablette. C'était pas aussi grand, ce serait parfait pour les nichons. Oh. Oh, la belle au bois dormant. Merci. Ablette, quand tu veux, tu m'obéis surtout. De l'autre côté, Ablette. Du nerf, Ablette. Ça goûte déjà à part, je sais plus. Tu veux des cartes Pokémon depuis quand toi? Mais depuis quand tu veux des cartes Pokémon? Vous devez suivre mon rapport avec cette liste. Et c'est trop cool. Bah c'est des cartes Pokémon, chérie. Ouais. Tu veux jouer au Pokémon? Ah oui, oui, non, non, mais ça, je suis d'accord, sauf que... Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Sauf que là, c'est des cartes Pokémon, chérie. Willy, le petit bâtard, il travaille pour Radovid. Vraiment? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Redania n'est plus dans tes bonnes grâces. Mes bonnes grâces n'ont rien à voir avec ça. J'avais passé un accord avec le bâtard et il s'est torché le cul avec. C'est de la trahison pure et simple. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Redaniens. Non, j'ai coupé les ponts. Mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Stries Bleues, ça ne te rappelle rien? Vernon Roche. Lui et ses hommes se terrent dans un camp près d'Oxenfurt. Rends-lui une petite visite, ça lui fera plaisir. Pas sûr que ce soit une visite amicale. Hé, hey, toi. Alors. On y va. Allez. Mais je suis fait Ablette. Il y a un passage là. Allez, on se concentre.
Allez. Tu veux le chess. Cette maison, elle a toujours été bancaire. Bien sûr que non. On a construit une droite. Les deux types se sont installés. Non, j'ai oublié de pêcher là. Le pang. On y va. Galop, Ablette. Galop, ouais, par là. Honneur et patrie. Ah. Ouais, bon. On est sur la bonne route. Encore un ? Rentre chez toi comme les autres. Ayez pitié, messieurs. On n'a nulle part où aller. Pour nous, c'est Novigrad ou la mort. J'en ai marre. Dégagez ou je vous fais embrocher. Ils sont aux abois. Laissez-les passer. Je ne vois pas où est le problème. Putain de merde, combien de fois il faut que je le répète? Les ordres sont clairs. Sans sauf-conduit, personne ne passe. Laissez passer ces gens. Oui, chef. Oh, merci. On n'a nulle part où aller. Novigrad, c'est une chance de recommencer à zéro. Évitez les routes. Vous risquez de tomber sur une autre patrouille. On ne m'y reprendra pas. On va être aussi prudent que des lièvres en hiver. Mais vous, vous avez été coulé dans un autre moule que nous autres. Comme ces héros d'antan que dans le tombeau, près de la colline de Torsichim. Le tombeau est dans une caverne, à flanc de colline. Cuterrier est au pied. On dit qu'il y aurait un magot énorme là-dedans. Vous pourriez y trouver quelque chose qui vous botte. Bonne chance. Thank you.
fait. J'ai juste voulu t'aider, c'est tout. Qu'est-ce que tu m'en fais? Mon grand-père est revenu de voyage avec un livre. Alors, assis. Voilà. En avant. Pourquoi il me fait un mouton? Bah oui, je m'éloigne. Mais on va pas parler. Doucement. Dis-moi, toi qui as voyagé partout, fais fin à la mode de notre travail. Je cherche que le corbeau ne fonctionne pas. Je connais personne de ce nom-là. Autre chose ? Je vois. Et c'est quoi derrière vous ? Un camp de cueilleurs de baies ? Non, c'est pour observer les oiseaux. Et donc cette épée, c'est pour vous défendre contre les flamants roses ? Non, les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région. Et il ne migre pas par ici. Vous allez me laisser passer? Oui, bien sûr. Et ensuite, vous allez aller chercher des flamants roses. Des flamants roses, oui. J'y vais tout de suite. Ah ben, il est pas prêt de revenir. S'il est pas allé chercher des flamants roses, il est pas prêt de revenir. Pas la peste, c'est pas vrai. Un sorcier. Exactement ce qui manquait à notre... Geralt de Rive, sain et sauf. Vernon Roche, le dernier espoir de la Téméria. Moque-toi tant que tu veux, mais la Téméria retrouvera sa gloire d'antan. Roche, je ne peux pas les abandonner. Je... Tu peux et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir. Je t'en prie. Le sujet est clos. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun, dont un certain Radovid. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit.
histoire que j'ai une petite discussion avec lui. Mmh. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon ? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre ? Tu as vraiment de la chance, Gérald. Je dois justement rencontrer mon contact rédanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt, dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, on va sauvegarder là, comme ça au moins. Hop. Et on reprendra le jeu jeudi. Jeudi, on reprendra The Witcher. On fera deux sessions de The Witcher. J'ai pas de rendez-vous ? Non, j'ai pas de rendez-vous. Donc on pourra faire deux sessions de jeu de The Witcher. On fera 14h, 16h et 17h30, 19h. Hop. Alors, est-ce que... Il n'y a pas de personne qu'on connaît sur The Witcher. Est-ce que... Voilà. On va aller là. Vous en aurez. Vous en aurez. Ne pas. Non, attendez, pas là. Une fois à Vizima. Donc ça fait 10% sur les attaques rapides. Je suis très chaud de garder ça. Vous perdez 33% d'adrénaline en moins lorsque vous subissez des dégâts. Je suis trop chaud de le garder. Ça, c'est vraiment trop bien. Consommer des aliments régénérant de la vitalité pendant 20 minutes, c'est un truc de ouf. Tiens, on va aller le raid. Parce que vous êtes avec une arbalète, le temps c'est vite. Ça c'est moi, bien, ça me fait un gain de points d'adrénaline. Voilà, je peux pas. Et les points d'adrénaline augmentent les dégâts d'être. Ah, c'est un petit de là. Ah, attends, on en parle après, Bébou. Salut, Zoltan. Alors, ça, tu as l'air voilà, en pleine forme. On va aller là. En fait, allez. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de ma cam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi ? Salut, Catafol, bienvenue. Tu vois bien ? C'est bon, il parle. Je bon, cherche Siri. Pas de soucis. Moi aussi, je vais aller faire un manger et je vais manger. Et après, je reviens en même temps, tant que je vais préparer et manger. Merde alors. Je vais aussi. Je sais pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps ? Installer l'autre application de live. J'espère que ça va améliorer les bugs que j'ai en ce moment. Parce que c'est vrai que là, entre les SO qui fonctionnent une fois sur 15. Enfin, le SO, jusque-là, il a toujours fonctionné. Mais les sons point de chaîne qui fonctionnent quasiment pas. Tout... Enfin, voilà. Tout fait que de planter. Donc, je vais essayer de repartir sur Streamlabs. Donc, je vais essayer de réinstaller ça et d'essayer de faire ça au mieux pour relancer le live de tout à l'heure. Où est Jessica ? Je vous dis à tout à l'heure, bon appétit tout le monde. Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai.